Des athlètes comme lui, le CIRAL en accueille un peu plus d'un millier par an. Ce centre dédié à la santé des chevaux est devenu la référence en matière de recherche et de suivi des affections locomotrices. Cela méritait bien la visite d'un ministre. Dans ce vaste laboratoire qui est aussi une antenne de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, le progrès ne s'arrête pas là. L'occasion pour Stéphane Travers de découvrir les derniers équipements de pointe. Ici, le premier scanner en France de très grande dimension pour diagnostiquer des chevaux anesthésiés ou encore cet IRM. C'est comme en santé humaine, hein, de temps en temps on vous envoie passer une IRM, un scanner, c'est parce que chaque technique apporte des choses en fonction des problèmes que vous avez, de la maladie que vous avez. Et il faut des machines hors normes parce qu'on est face à un gros animal et effectivement si on prend un scanner standard, bah, le cheval ne rentre quasiment pas dans la machine, on a un problème géométrique. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des machines un peu spécifiques et adaptées au cheval. Coût global, 5 millions d'euros. Elles doivent entrer en service d'ici la fin de l'année. Mais d'autres gros projets sont sur les rails. Ici, un pôle dédié à la physiothérapie et la rééducation fonctionnelle doit bientôt sortir de terre. Nous posons ici un acte fort pour faire en sorte que, avec l'école vétérinaire d'Alfort et l'ensemble des autres écoles vétérinaires, nous ayons ici un centre de ressources totalement dédié à la filière équine. Un centre où nous avons une concentration de tous les moyens de recherche et tous les équipements pour permettre eh bien, de diagnostiquer, de faire des recherches sur les pathologies équines. Autant de nouveautés qui, avec le futur campus équin prévu pour 2021, vont conforter le CIRAL dans sa position de leader à l'international.